שיר למה לעשה סייני אלה אומן יובי עזרי, עזרי ממד אינו יויס ישמיים ואורץ, אל ייתן למה יתרגלך על ידנו שומרך הנה ליונו ולישון שוימר ישרו, ואל אדנו ישומרך עד אני צילך על יד ימינך, יאי ממה שם שלו יקק וברך בלילו, אדנו ישמוך ומכל רואו ישמור את נפשך, אדנו ישמור את צייסרו ויירך, מעטו ויעד, אלו משך זמי, פונון לצדקה, אוז'ודוי ראש חודש אלול, toute manière, il faut donner la tzedaka. C'est le moment d'ajouter dans la tzedaka. Alors prenons une pièce, un billet, et nous allons mériter immédiatement le retour final, le retour de nous tous à Yerushalayim, au Beit HaMikdash avec Mashiach. Eh bien, aujourd'hui, le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, qui est d'ailleurs le premier jour du mois de Elul, quand nous avons deux jours de Rosh Chodesh, le premier jour de Rosh Chodesh appartient encore au mois précédent. Le deuxième jour est le premier jour du mois. Donc, hier, on était le dernier jour du mois de Av, Menachem Av. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de Elul. Dès aujourd'hui, jusqu'à Yom Kippour, nous avons exactement 40 jours. Ces 40 jours correspondent aux 40 jours de la troisième fois que Moshe Rabbeinu est remonté au ciel vers Akadosh Baruch Hu, après qu'il est revenu la première fois nous amener les tables de la loi, les Luchot, et malheureusement on avait commis le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a brisé les Luchot, il est remonté une deuxième fois pour plaidoyer la cause juive, pour demander le pardon, il est revenu Erev Rosh Chodesh Elul, ensuite il est remonté Rosh Chodesh Elul. Quand il a demandé à Dieu, ça ne suffit pas que tu nous pardonnes, ce qu'on a besoin est que tu nous redonnes la table de la loi que j'avais brisée. Et maintenant, nous demandons que tu nous donnes une deuxième paire de tables de la loi. La deuxième, Luchot Shniot. Et Dieu a accepté. Et c'était pendant ces 40 jours-là, depuis Rosh Chodesh Elul, donc depuis aujourd'hui jusqu'à Yom Kippour, que Moshe Rabbeinu est en train de recevoir la Luchot. Et quand il est descendu au jour de Kippour, les fameuses paroles, Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha, Dieu dit, j'ai pardonné comme toi tu as demandé. Qu'est-ce que ça veut dire, comme toi tu as demandé que ça soit complètement effacé le passé. Et que nous recevons maintenant une deuxième set de l'Ochot, et nous avons réaffirmé, Dieu a réaffirmé d'une certaine manière son rapprochement, son unification avec Am Israël en nous offrant une deuxième fois les tables de la loi. Et d'ailleurs, le chiffre 40, en général dans la Torah, dans les enseignements juifs, nous représente une transition d'un état d'être à un autre état d'être. Prenons quelques exemples. Le déluge, le Maboul avec Noach. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Ce que représente ce nettoyage à fond que Dieu a fait du monde entier. Donc on a été transitionné d'un état d'impureté, le monde qui était devenu tellement corrompu qu'il avait besoin de ce nettoyage, et qui a été transformé d'un état d'impureté à un état de pureté. Am Israël se trouve dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Puisqu'ils avaient besoin de transformer, de transitionner, si on veut, de un état d'être dépendance positive, mais c'était toujours une dépendance, à devenir des êtres indépendants. Je m'explique. En Égypte, ils étaient dépendants de la tyrannie égyptienne. Dans le désert, ils sont devenus dépendants de Moshe Rabbeinu, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la nourriture, qui nous a tout donné. Maintenant, il fallait qu'ils arrivent en Eretz Israël pour devenir indépendants et prendre les responsabilités. Donc le 40 représente cette transition d'un état d'être à un autre état d'être. Eh bien, ce que nous avons maintenant aussi. Intéressant, le nom du mois s'appelle Elul, qui commence avec la lettre Aleph. Malgré le fait que ce n'est pas un nom biblique, mais c'est quand même, ce sont les noms que le peuple juif a ramenés en revenant de l'exil babylonien. Ils ont amené des noms pour les mois, et le nom qu'ils ont choisi pour ce mois-ci est le nom Elul. Mais Elul, Aleph, le début, ce n'est pas un début, ni de l'année cycle des mois, c'est le sixième, et ni de l'année, puisque c'est le prochain mois, le mois de Tishré. Pourquoi on commence le mois avec un Aleph
plutôt que trouver une autre lettre. Eh bien, le rabbi nous explique. C'est un aleph, c'est un début. Un début de quoi? Un début d'une transition de ces 40 jours qui nous amène du aleph à la lettre taf. Le mois prochain s'appelle Tishri. Mais ce n'est pas seulement le mois prochain que dans lequel nous arriverons, dans lequel nous arrivons. Nous allons nous transformer de tout notre état, tout ce qu'on a fait l'année dernière. Et nous pouvons maintenant, par la Teshuva, qui est aussi la lettre taf, transformer et devenir un nouvel être. Donc c'est un début d'un séjour de 40 jours durant lequel on peut corriger toutes nos erreurs qu'on a eues dans le passé et se présenter au taf, au tishri, à Rosh Hashanah, avec une nouvelle identité, une identité de teshuva, une identité de retour absolu vers HaKadosh Baruch Hu. Et de cette manière, nous allons nous retrouver maintenant au Beth Amikdash avec Mashiach.